Bonsoir, le pastoralisme est-il en danger? Pour en débattre, nous recevons Anthony Baldovini, berger, et Michel Pierucci, laitier. Merci à vous deux d'être venus jusqu'à nous. Avec une production locale qui ne couvre que la moitié environ des quantités de lait entrant dans la fabrication du fromage industriel, les bergers sont inquiets. Les laitiers, eux, estiment que les importations sont indispensables à l'équilibre économique. Alors Anthony Baldovini, vous êtes installé en Auvin, en plaine orientale. Vous dites que le métier de berger est aujourd'hui en passe de disparaître. Pourquoi? Salut et bonjour. Ringraziabi per l'invitation. Le métier est en voie de disparition, c'est clair. Je crois que ça a été dit déjà depuis plusieurs années. Les bergers, c'est la première marche de la ruralité. Les missions que remplissent les bergers, ou les éleveurs en général, mais plus particulièrement les bergers, en termes d'occupation, de gestion, d'entretien de l'espace, il n'y a que ces gens-là qui peuvent le faire. Donc aujourd'hui, si ça disparaît, c'est tout le rural qui tombe. D'autre part, je voulais dire aussi que les bergers, ils ne sont pas hors sol dans la société. On est nous-mêmes des consommateurs, on est sujet à l'inflation générale, etc. Mais nous, de par notre métier, et j'en viens à votre question, on est sujet à une inflation de nos coûts de production en termes de matières premières qui ont explosé ces trois dernières années. Juste un chiffre, 320 euros la tonne de céréales avant cette crise qu'on connaît depuis trois ans. On est arrivé jusqu'à 570 euros, 80% d'alimentation sur la complémentation qu'on achète. Et le lait, le prix du lait qui ne suit pas. Je parle pour le prix du lait vendu pour les gens comme moi qui sont apporteurs en laiterie. Les fermiers transforment leur propre production. Ils ont d'autres problèmes par ailleurs, mais ce sont quand même des bergers. Il faut quand même qu'ils produisent du lait. Donc si vous voulez, si vous mettez le ratio coût de production, prix de vente, le revenu est inexistant quasiment aujourd'hui. Donc oui, on est voué à disparaître dans ce cadre-là. Alors Michel Pierucci, on comprend le constat qui est fait, on ne sait pas si vous le partagez. En revanche, ce qui est dit, c'est que tout simplement le prix du lait, pour ceux du moins qui vendent à des laitiers comme vous, ce prix est estimé comme étant trop bas. Qu'est-ce que vous répondez? Moi je comprends bien, hein, je veux dire, si les bergers, c'est notre priorité. Je veux dire, aujourd'hui, si un berger n'est pas bien, je veux dire, nous on ne peut pas être bien non plus. Mais il faut savoir qu'il y a un marché, que le fromage corse pour 60% va hors de Corse et que pour vendre du fromage, il faut être sur le prix de marché. Et déjà, on est sur un prix de lait qui est à peu près 40% supérieur au prix du lait, on va dire, Occitanie ou Nouvelle-Aquitaine, les deux bassins qui portent du lait. – Donc en substance, vous dites que vous payez déjà le lait un peu cher, c'est ce que vous… – Là, cette année, il va y avoir encore une petite hausse, mais derrière, on subit la pression des groupes de la GMS française qui, là, cette année, nous disent non, il n'y aura plus d'augmentation parce que le fromage est trop cher, parce que les clients… parce qu'aujourd'hui, et on le voit… Je veux dire, nous, on n'a pas subi. En fait, on est des vendeurs de fromage de niche. Nous, on n'a pas de gros volume. Donc, on est dans le traditionnel et on s'en sort plutôt bien. Mais les gros groupes qui sont dans la GMS pleine ont subi de plein fouet l'inflation. Je veux dire, les ventes de Roquefort ont reculé de 10%, les ventes de Osso Irati de 12%. Et nous, on est à moins zéro. Alors, juste une réponse, après on va regarder un reportage, mais une réponse d'abord à ce qu'elle a dit. Deux éléments de contexte. Aujourd'hui, pour donner le prix du lait, à peu près, on arrive, pas tous les laitiers, les industries laitières, on arrive au plafond aujourd'hui à 1,50€ prix de base. On ne va pas rentrer dans les détails, mais 1,50€ prix de base, et si votre lait répond à la qualité standard, on va dire. Voilà. L'augmentation de 1,50€, elle est due à une revendication de l'année dernière. Deux éléments de contexte, pour bien sûr argumenter contre M. Pierucci. Je suis ravi d'entendre que les bergers corses sont leur priorité aux industriels laitiers. Ça ne s'est pas vu les 20 dernières années. J'aurai l'occasion de revenir sur des points factuels qui le prouvent. Et deuxièmement, quand le lait corse est bien payé, à 12 km de la Corse, il est à 1,80€, 1,90€ en Sardaigne. Voilà. À 1,80€, 1,90€, il y a actuellement des discussions pour que, lors de cette campagne-là, il passe à 2,05€. Alors peut-être qu'on va regarder un reportage. Source berger Sardes. Non, moi, le Sardaigne, je connais. Source. Et ça fluctue avec le Pecorino Romano. Le lait, il monte à 1,60 et il redescend l'année d'après à 70 centimes aussi. Hein. Oui, bien sûr. C'est pour ça que vous avez changé votre approvisionnement du lait sarde. Vous ne le prenez plus en Sardaigne. Pas du tout. Vous le prenez ailleurs. On évoquera tout à l'heure les filières d'approvisionnement. On va peut-être regarder d'abord un reportage pour poser un peu mieux le débat. C'est un sujet de François-Albert Bernardi. Allô.
Comment vivre en produisant du lait de chèvre ou de brebis? C'est la question que de nombreux bergers se sont posées cette année. Notamment ceux qui vendent leur production aux laiteries. Le lait est payé en fonction de sa qualité. Le prix moyen en 2021 s'établissait à 1,34€ le litre pour les brebis et 95 centimes le litre de lait de chèvre. Avec l'augmentation des coûts de production, certains se sont interrogés sur la viabilité de leur exploitation. Sur ce mode-là, en étant apporteur de lait, on n'est plus vraiment rentable. Et que, oui, on s'inquiète pour l'avenir, on va dire. Pour compléter leurs revenus, les bergers sont de plus en plus nombreux à fabriquer eux-mêmes leur fromage ou leur brochu. Plus de 7 millions de litres de lait sont transformés directement sur les exploitations. Certains vendent une partie de leur lait et transforment l'autre. Bon, on sait bien que c'est un ambiental qui a fait bien des viandes. On a trouvé un petit gagile, juste un cajou fresco, pour avoir un peu de rémino, un peu de carré. Environ 265 éleveurs, ovins et caprins, vendent leur production aux laiteries. En 2021, les laitiers ont pu acheter en Corse 5,1 millions de litres de lait de brebis, 2 millions de litres de lait de chèvre et ont importé 6,4 millions de lait de brebis. C'est trois fois plus que la quantité globale de lait importé 10 ans auparavant. L'explication réside pour partie par un fort développement de l'industrie fromagère qui a augmenté de 50% le nombre de litres de lait transformés en 9 ans. Plus de fromage donc pour répondre à la demande de la saison et aussi à celle de l'exportation. On a une grosse part qui va sur l'exportation et sur le national, puisqu'on est à peu près à 40% de production à l'extérieur, commercialisée à l'extérieur. Et le reste se fait essentiellement pendant la période estivale. Et là aussi, pendant la période estivale, il faut arriver à s'adapter à la demande. Depuis quelques années, les laiteries insulaires ont su se développer pour fournir plus et toute l'année. Du mois de mars jusqu'au mois de juin, on est en grosse production et tout le monde en a, donc il y en a même trop. Et puis on n'arrive pas à joindre le bout. Quand arrive la pleine saison, beaucoup sont en rupture. Et là, je dirais qu'heureusement qu'il y a ces industriels qui, eux, peuvent répondre à la demande. Chaque année, les bergers sont de moins en moins nombreux, en cause notamment des coûts de production, les difficultés du métier, mais aussi celles du foncier, de plus en plus difficile à trouver pour les troupeaux. Alors, on vient de l'entendre, en 10 ans, la quantité de lait importé a été multipliée par 3. Alors, Michel Pirouc, c'était un petit peu finalement la question que vous posiez tout à l'heure, Anthony Baldovini. D'où provient le lait et à quel prix est-ce que vous l'obtenez? Nous, aujourd'hui, on travaille essentiellement avec l'Aveyron. On a eu acheté en Sardaigne, et la raison pour laquelle on n'a pas. C'est plutôt la qualité que le prix. Après. C'est-à-dire que le prix, la qualité du lait sarde n'était pas suffisante à vos yeux. En revanche, vous le payez combien, le lait de l'Aveyron? Le lait de l'Aveyron, aujourd'hui, c'est 1,50€. C'est le même prix qu'ici, plus le transport. Bon, apparemment, vous n'êtes pas d'accord. Vous estimez que c'est quoi qu'est-ce qui fait que, selon vous, que les laitiers, en général, achètent du lait ailleurs? C'est le faible prix? C'est la disponibilité du produit? À un moment donné, je pense que moi, je vous ai dit que je venais sur ce plateau pour faire œuvre de pédagogie et donner les bonnes informations, parce qu'aujourd'hui, les bergers, ce sont des taiseux. Il y a des drames potentiels familiales qui pourraient se profiler à l'horizon. Je ne vous rappelle pas le contexte national. Donc entendre des aberrations pareilles. Contexte national, vous faites référence à des suicides d'agriculteurs. Exactement. Et on n'est malheureusement pas à l'abri ici. Entendre des aberrations pareilles, c'est complètement fou. Et je me demande si c'est même assez respectueux. Bien. La genèse des importations, elle vient d'une seule chose. La genèse des importations, elle vient de la première moitié des années 2000, où les industriels laitiers, et c'est une bonne chose, ont été subventionnés pour moderniser leurs outils de production, etc. Mais certains, notamment les plus gros, en ont profité pour accroître énormément leur capacité de production. Quand vous accroissez votre outil de production, de transformation, vous êtes obligé de faire entrer plus de volume. Mais sur un an et demi de travaux d'une fromagerie, vous pouvez la doubler en termes de travaux, d'équipement, etc. On ne peut pas demander à une filière d'élevage de doubler sa production en un an et demi. Donc l'appel d'air, il a été créé artificiellement, surtout par rapport au surdimensionnement des structures qu'on connaissait auparavant. C'est tout. L'argument consistait à dire tout à l'heure. Il suffit de passer au bord des routes nationales, parce que souvent elles sont au bord des routes nationales, et puis vous voyez. Tout à l'heure, vous disiez que vous vendiez à peu près 60% de votre production sur le continent. Donc quelque part, les laitiers ont contribué à élargir un marché aussi. Donc la question initiale, c'était par rapport à ce prix, est-ce que vous prenez du lait ailleurs parce qu'il est moins cher, ou est-ce que. Parce qu'il n'y en a pas assez ici? Il n'y en a pas assez ici, en Corse. Il n'y a pas un berger qui peut dire qu'il jette un litre de lait parce qu'un laitier ne le prend pas. Nous, je veux dire, on fait du service public, presque. Quand on monte chercher du lait à Olmi Capé, là,
moi je monte en balade, tous les jours. J'ai un camion qui fait 300 km. Vos apporteurs seront contents d'attendre que vous faites de la prestation sociale pour eux. Non, non, mais quand on moi je pensais que vous faisiez plutôt une relation de partenariat, comme vous avez dit que vous l'hébergiez. Non, mais quand je dis du service public, quand vous allez chercher 30 litres au Micapé, là, que vous, il vous faut 2 heures pour aller ramasser ce lait. C'est un lait qui compte. En réalité. Après, on est sur un marché. Je veux dire, on peut pas dire aux clients, mais nous là, on peut plus vous fournir parce que on n'a pas assez de quantité, on peut pas faire. Quand vous arrêtez, le magasin, il vous laisse pas la place vide. Il dit quand vous revenez, vous aurez votre place. Vous découvrez si vous êtes pris dans un réseau et que vous êtes obligé de fournir. Grâce à ce réseau. Quand il y a eu le Covid, que tous les fermiers n'ont pas pu, on a ramassé le lait, on l'a payé, on a fait ce qu'il fallait, et on l'a vendu dans la partie Covid où rien ne se vendait. Alors, on a vu tout à l'heure un berger qui fait son propre fromage. Aujourd'hui, il y a environ 7,1 millions de litres qui sont transformés par les bergers, surtout en Corse du Sud d'ailleurs. 7,1 millions de litres sont vendus aux industriels. Alors, la production fermière, c'est une piste. Est-ce que vous l'envisagez, Anthony Baldovini? On peut supposer que si demain vous transformez votre propre fromage, vous pouvez le vendre au prix où vous voulez. Alors, M. Pirucci vient de faire la démonstration de comment il considérait, je dirais, les bergers et l'activité pastorale. C'est-à-dire par l'aval de la filière, et l'amont doit se standardiser par l'aval de la filière. Premier point, le lait d'importation rentre à 50 ou 60 centimes de moins le litre que ce qui nous est payé à nous. Vous dites 50 ou 60 centimes, vous dites. Oui, je connais mes prix quand même. Oui, je peux finir. Voilà. Oui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, bien sûr que non, que tout le monde ne doit pas devenir fermier. Déjà, c'est compliqué de faire les deux. C'est compliqué, il faut une structuration, etc. Mais déjà, le fait que, si vous voulez, les laitiers, on l'a vu, il y a un accroissement de la transformation chez les industriels. Ça sature déjà le marché ici pour les fermiers, premièrement. – C'est pas vrai. – Premièrement. – Est-ce qu'il n'y a pas deux segments ?– J'ai la prétention de connaître un peu mieux les fermiers que vous. J'ai un peu la prétention. Deuxièmement, on parlait du prix du lait. Depuis la moitié des années 2000 à maintenant, on va dire une vingtaine d'années, sauf l'année dernière où il y a eu ce petit saut de jusqu'à l'année 2022. Saut en prix, vous dites. Donc prix, vous êtes passé de 1,34€ à 1,50€. 1,50€, voilà. Le lait, si vous voulez, la prochaine fois, je vous amènerai mes factures. Comme ça, M. Pirucci me croira. Le lait est monté de, au maximum, 1 centime par an. Au maximum, 1 centime par an. L'inflation en France, en temps normal, je ne parle pas des dernières années, c'est 3 ou 4% par an. Voilà. Donc pendant 20 ans, si vous voulez, moi je ne suis pas là pour critiquer une stratégie d'entreprise. Moi je suis là pour critiquer un système qui nous met en difficulté sur le terrain, où nous d'ailleurs, puisqu'il y a un lait de substitution qui rentre de l'extérieur moins cher, quelle manœuvre et quelle force de levier avons-nous pour négocier nos prix? On n'en a plus. Ils sont en train de nous dire. Une question tout à fait informative. Est-ce qu'il y a une grande différence de prix entre un fromage, on va dire, avec du lait en partie importé et un fromage industriel, un fromage fermier? Moi, je vous réponds. Aujourd'hui, nous rentrons du lait qui est en moyenne à 1,50. D'accord. Avec ce lait, on n'a pas le droit de faire de brooch. Chose qu'on ne fait pas. Parce qu'il y a une AOP, ce sont des gens qui dérangent la règle, c'est différent. Ils se font attraper. Ne dites pas, on ne fait pas. Est-ce que j'ai été condamné, moi? Non. Voilà. Donc, le brooch, il rentre pour 20 centimes sur le prix du lait. Alors, quand vous achetez un litre de lait à 1,50€ et que vous ne pouvez pas faire de brooch, ben, qu'est-ce que vous faites? Je peux vous poser une question. Oui. Le lait d'importation rentre à 1,50€. 1,50€. Et la facture à l'appui, je peux faxer. 1,50€ depuis cette année, depuis l'année dernière. Quand il a augmenté, on était à 1,30€. L'augmentation a été réduite. Il rentre au même prix que le lait que vous payez ici. Il rentre au même prix. C'est ce qui a été dit tout à l'heure, justement. Voilà. Enfin, sauf qu'on perd 20 centimes. Pourquoi vous n'investissez pas dans la production des bergers ici? Mais moi j'ai investi. Preuve réelle. Oui. Moi j'ai acheté un troupeau, 1500 brebis. Si j'avais du lait moins cher à l'extérieur, je me serais emmerdé à aller faire de la brebis. D'accord. Voilà, fais de la brebis. On va essayer d'avancer un petit peu. Chaque fois qu'il y a un troupeau de mes éleveurs qui va être arrêté ou qui va être en vente, j'achète et j'investis pour un de mes bergers. D'accord. Alors, on a parlé tout à l'heure de l'AOP. À Sainte-Juliette, je l'ai fait. Sur le lait de chèvre, vous collectez du lait de chèvre. Oui. Ouais.
c'est bien ça, c'est le, je ne dis pas de conneries, dans le reportage, c'est 0,92, 95, je m'en souviens. Un le lait de chèvre est à peine, donc, apparemment moins cher que le lait de brebis. Le lait de chèvre corse, oui. Pas le lait de chèvre certains laitiers j'en prends pas, achètent des chèvres alpines ou sanennes sur le continent pour faire de la stabulation. J'en ai pas, ça, après non, ça, attendez. Ça s'achète au gramme. Un litre de lait de chèvre, si je comprends bien, vaut moins qu'un ballon d'eau dans un bar, parce qu'un ballon d'eau dans un bar, c'est un vin. Mais écoutez, bon, ça c'est la revente dans les bars, c'est un autre débat. Effectivement, mais alors, que je comprenne bien, vous soulevez un point qui est intéressant. Vous avez dit qu'il y avait aujourd'hui, vous avez évoqué des chèvres. On constate que donc sur 10 ans, le lait de brebis a perdu, on va dire, 1 million en lait de brebis, on a perdu 1 million de production, 1 million de litres. En revanche, pour les caprins, on a gagné 1 million. Comment est-ce qu'on explique cette augmentation justement de chez les caprins? Ben, il faut poser la question à M. Pierucci. Moi, j'ai regardé les chiffres de la Chambre d'agriculture générale hier. J'ai été étonné du volume en lait de chèvre. Hein. Alors, est-ce qu'on ne avec l'élevage caprin, vers quelque chose qui est un peu plus intensif, avec des chèvres élevées autrement que le mode traditionnel? Il y a quelques troupeaux qui sont en intensif. Ça, c'est clair, mais ça, c'est le choix du producteur. Oui, surtout quand ils sont fortement incités par les industriels laitiers, ou qu'on leur achète carrément. Ce que vous suggérez, c'est qu'il y a les industriels laitiers qui demandent à ce qu'on fasse une race autre que la race corse, c'est que tout le monde qui sait, est plus productif, ça. C'est que tout le monde sait que les industriels ont besoin de lait. De lait. Pas de lait corse, pas de lait issu de race corse, du lait. Ils ont besoin du lait. Voilà. Et après, on fait du fromage. Il n'y a pas de signe d'appellation contrôlée. Alors sur les pourquoi, justement, j'essaie de poser la question tout à l'heure, mais vous débattiez, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'AOP fromage aujourd'hui? Est-ce que vous y seriez favorable tous les deux? Moi, j'y suis favorable. On s'est battu pour ça et ça n'avance jamais. On a un AOP, qui est l'AOP Brocho. Cet AOP Brocho est moribond et en train de mourir. Il faut savoir qu'il y a 3 laiteries qui abondent en cotisation et après le reste, c'est lettre morte. Hein. Donc ça veut dire que l'AOP ne marche pas, c'est ce que vous dites? Ben, l'AOP, c'est le seul qui génère tous les éleveurs de Corse et tous les fromagers. C'est l'AOP Brocho. Si on partait sur les AOP fromage, ça serait des micro-AOP. Là, celui-là, il génère tout le monde et on n'arrive pas à s'en sortir. Pourquoi? Vous y serez favorable, vous, à un AOP? Effectivement, il y a des fromages, il y a le Chawinagais, le Chobastiligar. S'il devait y avoir un AOP pour chaque micro-région, ça serait compliqué, on peut l'imaginer. Seulement, mais ça, c'est l'INAO qui l'avait demandé en son temps, c'est pas nous. Mm-hmm. D'accord? Non seulement j'y suis favorable, j'y suis administrateur, et heureusement qu'il y a l'AOP Brocho, parce qu'aujourd'hui, sans l'AOP Brocho, les laitiers corses pourraient faire du Brocho, enfin, pourraient faire tout ce qu'ils veulent avec du lait de n'importe où qu'ils viennent. Donc je suis même un peu choqué que M. Pierucci dise ça. Vous reparliez tout à l'heure au niveau de l'AOP. L'AOP des fromages, ce n'est pas fait encore. Il faudrait dire toute la vérité de temps en temps, ça ne ferait pas de mal. L'AOP Brocho, ce n'est pas fait à l'époque. Fromage. Pourquoi? Fromage. Pourquoi? Parce que les laitiers ont mis leur veto pour un mot. Il fallait, dans le cahier des charges de l'AOP fromage dans lequel ils travaillaient, instaurer, écrire noir sur blanc le mot pasteurisation. Ce n'est pas, on va dire, le mode de fabrication traditionnel corse. Moi, j'y étais dans les commissions. Ça fait 40 ans que j'y suis. Et ne dites pas ce qui n'est pas, parce que vous avez plus de gens sur le terrain qui sont témoins de ce que vous avez dit, vous, à l'époque. Alors là, on est sur le constat, on va dire, passé. On va évoquer un peu les quelques pistes possibles pour l'avenir. Donc, on a vu que le prix, vous dites que vous ne pourrez pas acheter plus cher, que vous êtes à un niveau, on va dire, qui ne vous permet pas de faire de bénéfices. C'est ce que vous avez dit. Si je pouvais acheter du lait à 3 euros, je l'achèterais demain. Est-ce qu'il y a une possibilité autre d'augmenter la production? Voilà, il y a tout un débat. Vous, qu'est-ce que vous prôneriez? Moi, aujourd'hui, je vois. J'ai un troupeau. Je suis pas content encore de. On fait 157 litres par brebis. La moyenne régionale, elle est aux alentours de 100 litres. Moi, je pense qu'il y a des éleveurs. Moi, j'ai une éleveuse qui est à Cajou-Kazam, qui partage. Elle a 208 litres. Ce que vous dites, c'est qu'il y a une possibilité d'augmenter la productivité. Comment? Il n'y a que ça. Il faut travailler les schémas, mais on n'arrive pas. C'est-à-dire travailler les schémas, faire en sorte que les brebis dorment à l'intérieur? Je ne sais pas, moi. Il y a tous les schémas. Moi, si je prends cette éleveuse qui est en Balagne, elle a un beau hangar, elle alimente bien, elle a un petit troupeau, peut-être qu'elle arrive mieux que sur un gros troupeau. On a pris le cas de Jean-Pierre Malarogne, qui lui... À Sartène, du coup. Qui est à Sartène, et qui est sur un bâtiment d'élevage, où lui est plus sur un schéma d'élevage à la Véronèse. Et
Et s'en sort bien. Donc après, augmenter la productivité, c'est ce que vous dites. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce schéma? Est-ce que demain, s'il fallait investir pour augmenter votre productivité, vous accepteriez, Anthony Baldovini? Je ne regrette vraiment pas d'être venu, j'apprends plein de choses. Il vient de le dire, il est plutôt, ce monsieur-là, cet éleveur-là, est plutôt sur un schéma à la Véronèse. Il vient de le dire. Pas du tout. Vous venez de le dire. Non, non, il a non. cité un exemple d'une personne j'ai cité qui... Un exemple. Voilà. Je n'ai pas dit que je suis à la Véronèse. Non, mais pas vous, ce berger-là. Il faudrait tendre vers un système à la Véronèse. Un moment. Donc, vas-y mon cours. Adia Barlaï, oui, oui. Et de Barla, du Bajunika Dayad. À un moment donné, on a bien compris, ça étaye ce que je dis, les laiteries industrielles, comme les laiteries en France, dans le monde, dans l'Union européenne, c'est pareil. On part de l'aval et on conditionne l'amont. Et en conditionnement. Donc il faut, à la limite... On me repère parce que c'est le modèle intensif qui est favorisé. Je finis. Au lieu d'avoir 10-15 bergers, il faut monter au Gorge, puis à Trentali, Idré au Gorge, voilà. Il vaut mieux en avoir, au lieu d'en avoir 100, 80 ou 100, il vaut mieux en avoir 8 ou 10 gros, on passe une fois, on ramasse tout, ça va. Ceux qui meurent, qui ne sont plus là, trippent. Un dernier point. Parce que tout au long, on a débattu souvent contre les importations. On a eu toutes les sorties et excuses valables pour les laitiers. Un coup, il fallait qu'ils importent du lait pour leurs salariés. Un coup, on ne produisait pas assez. Je voudrais juste revenir sur le point, Rapidement, on est bientôt à la fin de cette échange. Depuis 20 ans, trois fièvres catarrhales en Corse, dont celle de 2001, première région française touchée. À supposer, ce ne sont pas les laitiers qui sont responsables. Ce qui explique la baisse des volumes. C'est pas parce qu'on n'est pas bon. Voilà, un travail considérable sur le schéma de sélection. J'ai jamais vu les laitiers corses qui étaient plutôt tendance au début des années 2000 à prôner la brebis sarde. Voilà. Ça, ce sont des éléments de terrain. Voilà. Donc, si vous voulez, tout ce qu'on a obtenu, tout ce qu'on est arrivé à maintenir, on l'a fait, nous, en résistant. Voilà. Aujourd'hui, on arrive plus à résister. Vraiment d'un mot, vous concluez. Ce qu'on me reproche aujourd'hui, c'est que d'aller vendre mon fromage avec des camions frigo, j'aurais dû continuer à faire comme ma grand-mère et aller à pied à Bastia. Non, pas du tout. Messieurs, merci d'avoir participé à cet échange, on va dire, passionné. Voilà, l'information continue. Tout de suite, vous retrouvez Marianne Romani.